ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله a dit « Il est certes connu de la religion du messager sallallahu alayhi wa sallam et toute la communauté s'est accordée sur ceci que la base de l'islam est la première chose ordonnée aux créatures et le fait d'attester que nulle autre divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. » Par cette parole, le mécréant devient musulman, l'ennemi devient allié et son sang et ses biens deviennent sacrés. Si elle vient du cœur, il rentre dans la foi, et si elle est prononcée avec la langue sans le cœur, il est sur l'apparence de l'islam sans pour autant avoir l'essence et la base de la foi, dans le sens des paroles de Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala. Donc, les frères de Belfort et les frères et les sœurs qui écoutent sur la radio, le sujet d'aujourd'hui est les conditions de la ilaha illallah, de la première partie de cette double attestation qui est la ilaha illallah, sa compréhension, ses conditions et ses annulatifs. Il faut savoir que les gens de la sunna considèrent que le premier devoir qui incombe à chaque serviteur est le fait d'attester qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Donc ça c'est le premier devoir du serviteur. Les preuves sur ceci sont multiples. La plus importante est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam à Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu lorsqu'il l'envoya au Yémen. Certes, tu vas rencontrer un peuple des gens du livre, que la première chose à laquelle tu dois les inviter soit l'attestation qu'il n'y a nulle autre divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, comme c'est rapporté dans le Bukhari et Muslim. Ainsi, le fait d'attribuer l'unicité à Allah, le fait de se désavouer de toute association est la première des obligations pour tout être humain. Et c'est la plus importante des responsabilités et le plus grand devoir pour lequel l'être humain a été créé. Le grand savant Ibn Abi al-Izz, rahimahullah, a dit dans Sharh al-Tahawiyya, sache que le tawhid est la première prédication des messagers, la première étape sur laquelle s'arrête celui qui chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala. De ce fait, la vérité est que la première réelle obligation à toute personne responsable est d'attester que nulle autre divinité en dehors d'Allah ne mérite d'être adorée et non pas de méditer ou d'avoir l'intention de méditer sur la création ni de douter comme disent Ahlul Kalam, une secte. Ibn Abi al-Izz, rahimahullah, a dit aussi, dans un autre passage de Sharh al-Tahawiyya, tous les grands imams parmi les pieux prédécesseurs sont en accord sur le fait que la première obligation incombant au serviteur est l'attestation des deux témoignages de foi, la double attestation. La parole « La ilaha illallah » est la parole d'unicité, la parole de sincérité, le premier pilier parmi les piliers de l'islam, la plus haute branche de la foi, la plus immense des obligations qui incombe à la personne responsable
la première obligation avec, sur laquelle il doit s'atteler et la dernière obligation sur laquelle il doit mourir. Il n'y a pas de plus grande obligation que la connaissance et la mise en pratique de la ilaha illallah. D'où l'importance d'en connaître son sens réel et l'importance de connaître ses conditions et l'importance de connaître ses annulatifs. Car c'est la base de l'islam, la base de la foi, le message de tous les prophètes et messagers, l'objectif pour lequel Allah Ta'ala a créé l'humanité. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer, c'est-à-dire pour me vouer un culte exclusif. Donc, le sens de la ilaha illallah, le sens de cette attestation, la ilaha illallah, est le fait de rejeter l'idée que tout ce qui existe en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mérite l'adoration. Et par là même, le fait d'affirmer l'adoration et la royauté à Allah seul, qu'il lui revienne de droit, subhanahu wa ta'ala, à lui seul, sans associé. Donc, la ilaha illallah, ça repose ainsi sur deux piliers. La négation et l'affirmation. La négation de toute adoration vouée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et l'affirmation que l'ensemble des adorations revient de droit à Allah seul. La négation et l'affirmation constituent le tawhid avec lequel sont venus les messagers et pour lequel ont été révélés les livres. Contrairement à tous ceux qui donnent des définitions contradictoires à son vrai sens. Nul ne mérite l'adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là une parole immense, c'est l'anse la plus solide, c'est une parole de piété et de sincérité, et les cieux et la terre ne se maintiennent que par cette parole. Et les actes obligatoires, les actes surérogatoires, toutes les règles de l'islam n'ont été légiférées que pour parfaire cette parole. Pour elle et par elle, toutes les règles de l'islam ont été décrétées. Donc, cela va être un petit peu résumé. Et on va essayer, inshallah, d'aller droit au but, de parler des conditions de la ilaha illallah et de ses annulatifs. On va passer dessus pour affirmer les bases de ces points-là. La majorité d'entre vous en ont déjà entendu parler, les connaissent à peu près, mais le rappel fait du bien aux croyants. Et c'est un enseignement pour ceux qui ignoreraient certains points ou bien certains détails des points cités. Donc, qu'est-ce que ça veut dire déjà quand on dit les conditions? Les conditions de la ilaha illallah. En arabe, c'est le pluriel de shart. C'est ceux qui devancent une chose et ceux qui conditionnent sa validité, religieusement parlant. C'est-à-dire que la ilaha illallah, si les conditions par lesquelles il est valide sont absentes, la ilaha illallah est absente. Elle n'est pas valide. D'où l'importance de les connaître et de les assimiler et de les mettre en pratique. Il faut savoir que les savants, rahimahumullah, ont réuni ces conditions en étudiant le Coran et la Sunna et ils ont trouvé qu'il y avait 7 ou 8 conditions, certains en citent 9. Si on considère l'attestation pour celui qui en est capable, le fait de la prononcer. Les 7 conditions sont la science, la certitude, la sincérité, la véracité, l'amour, l'obéissance et l'acceptation. Première condition qui est la science. C'est le fait d'avoir la connaissance du sens de la ilaha illallah dans sa négation et dans son affirmation. Et cette connaissance-là, Allah tabaraka wa ta'ala nous l'a rendue obligatoire. Il a dit « Fa'lam annahu la ilaha illallah » Sache, c'est-à-dire apprends qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est le fait que l'adorateur, il sache qu'Allah ta'ala est le seul qui mérite d'être adoré. Point d'associé à lui. Et que les adorations vouées à autre qu'Allah sont nulles. Et s'il met en application ce qu'implique cette science, il connaîtra alors le sens de la ilaha illallah. Donc le contraire de la connaissance, c'est l'ignorance. De sorte que la personne, elle ne sait pas qu'il est obligatoire d'adorer Allah seul. Et qu'au contraire, qu'est-ce qu'il fait?
il voit comme permise l'adoration d'autres qu'Allah tabaraka wa ta'ala avec Allah. Donc cette première condition de la ilaha illallah, c'est la connaissance de sa signification à travers la négation et l'affirmation. Et ce qu'elle implique dans la mise en pratique. Cette connaissance, elle s'oppose à l'ignorance. Donc la personne, il ne doit pas répéter la ilaha illallah en ignorant ce qu'elle veut dire. Quelqu'un par exemple ne parle pas arabe. Une personne l'attrape dans la rue, on lui dit « Dis la ilaha illallah ». Il dit « La ilaha illallah ». Il est musulman s'il ne sait pas ce qu'il dit. S'il n'a pas connaissance du sens de cette parole, est-ce que ça fait de lui un musulman? Juste il répète comme ça sans comprendre ce que cela veut dire. Non, parce que il ignore le sens de la ilaha illallah. Non. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens des versets, et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui n'ont aucun pouvoir d'intercession à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité. Non. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam muslim, selon Uthman ibn Affan, celui qui meurt et sait qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, entre au paradis. Dans ce hadith, le prophète alayhi salat wa salam, il a dit, celui qui meurt tout en sachant qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Donc il a conditionné la ilaha illallah par la connaissance, par la compréhension de son sens, en premier lieu. Donc ce hadith, il est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah. La deuxième condition de validité, c'est la certitude. C'est le fait de prononcer cette parole avec une certitude ferme, le cœur apaisé, sans une once de doute. Et c'est de croire à l'authenticité de ce qu'on prononce concernant ce droit d'Allah tabaraka wa ta'ala d'être adoré seul, subhanahu wa ta'ala, sans associé. C'est aussi être certain, sans aucun doute, de la nullité des autres divinités. C'est de croire qu'il n'est pas autorisé d'adresser à autre que lui des formes de vénération ou d'adoration, quelles qu'elles soient. Et si l'adorateur doute de son attestation ou ne se prononce pas sur la nullité des adorations vouées à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, comme le fait de dire par exemple je soutiens qu'Allah est digne d'être adoré mais par contre je doute de la nullité de ce qui est adoré en dehors de lui, son attestation de foi est nulle car en vérité il ne l'a pas prononcé avec certitude, il a un doute sur ce qu'elle implique comme négation et comme affirmation. En doutant de la nullité de ce qui est adoré en dehors d'Allah, il a douté d'une partie du sens de la ilaha illallah, le fait de renier toutes les divinités adorées en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. En cela, il n'aura pas validé son attestation de foi. Allah, tabaraka wa ta'ala, a dit dans le sens des versets dans Surat al-Baqarah, ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, c'est-à-dire révélé, et qui a été révélé avant toi, et qui croient fermement à la vie future. Donc, qui ont la certitude. Aussi, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point. Non. Donc là, cette pleine certitude, c'est celle par laquelle le cœur s'apaise, dans lequel ne subsiste aucun doute. Il croit à l'authenticité de ce qu'il prononce concernant le droit d'Allah d'être adoré et il croit à la fausseté de l'adoration vouée à autre que lui et l'interdiction d'adresser à autre qu'Allah des adorations, quelles que soient ces adorations. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abi Huraira, rapporté par l'imam muslim, a dit « J'atteste qu'il n'y a pas de divinité méritant d'être adorée en dehors d'Allah et que je suis le messager d'Allah. Toute personne rencontrant Allah avec ces deux attestations sans éprouver le moindre doute entrera au paradis. » Quant à la troisième condition, c'est l'acceptation. C'est que le croyant, il accepte tout ce qu'implique cette parole par son cœur et par sa langue. Il reconnaît véridique les informations et croit fermement à tout ce qui vient d'Allah tabaraka wa ta'ala par le biais de son messager sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Il accepte tout ceci sans ne rien rejeter. Et il n'impute pas au texte de fausses interprétations ni des altérations, toutes deux interdites par Allah subhanahu wa ta'ala. Dès qu'il sait qu'un texte vient du Coran, il l'accepte avec sa langue et avec son cœur.
dès qu'il sait qu'un texte provient du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a été confirmé qu'il est authentique, que c'est bien sa parole, que c'est bien son approbation, ou bien que c'est bien son acte, alors il doit l'accepter. Une personne qui n'accepte pas de son cœur ou de sa langue. Par exemple, une personne, on lui dit, Allah a rendu la salat obligatoire. Dans le Coran et la Sunna. On lui montre les preuves, par exemple. Lui, il dit, non, la prière, elle n'est pas obligatoire. Qu'est-ce qu'il aura fait en cela? Il aura démenti. Et il aura traité de mensonge le message. C'est comme s'il disait, Allah, c'est un menteur, je sais mieux que lui. Donc le contraire, justement, de cette acceptation, c'est le rejet, le fait de rejeter. Si une personne, elle connaît le sens de l'attestation et en est convaincue de par ses preuves, elle aura réalisé la première et la deuxième condition. Mais si elle rejette par orgueil ou par jalousie, elle ne sera pas musulmane. Et ceci, c'est le cas des savants juifs et chrétiens, comme Allah Ta'ala a évoqué dans Sourate Al-Baqarah. Ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants. Or, une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils la connaissent. Ici, Allah Ta'ala parle des savants, des gens du livre. Les gens du livre, les chrétiens et les juifs. Qu'ils le reconnaissent. Il parle de qui quand il parle de qui Allah Ta'ala il dit quand il dit ils le reconnaissent. C'est-à-dire, ils reconnaissent la véracité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils savent que c'est un prophète. Ils savent car dans leurs écrits, il était annoncé. Et ils ont reconnu en lui les signes. Mais, par orgueil, ou par jalousie, ou pour les deux en même temps, ils ont rejeté. Donc voilà l'exemple de celui qui n'accepte pas la ilaha illallah et qui la rejette. Parmi les formes de rejet qui annulent cette troisième condition, et donc qui annulent la ilaha illallah, figure le fait de rejeter certaines lois religieuses ou certaines peines légales citées dans le Coran et la Sunna authentique. Car en faisant cela, la personne, elle a rejeté, elle n'a pas accepté ce qui vient d'Allah, tabarak wa ta'ala. Non. La quatrième condition, c'est la soumission par l'obéissance. Et ceci s'oppose au délaissement. Comment il se soumet par l'obéissance? En se soumettant aux implications de cette parole d'unicité. La différence entre la soumission par l'obéissance et l'acceptation réside dans le fait que l'acceptation fait apparaître l'exactitude du sens de cette parole par la langue. Donc quand on dit l'acceptation, il accepte avec la langue et il le prononce ouvertement, c'est-à-dire il l'accepte par son cœur et il le prononce ouvertement avec sa langue. Tandis que la soumission par l'obéissance, c'est dans le suivi et dans les actes, dans la pratique. Ce qui découle de cela, le suivi du Coran et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, la sunna authentique. Elle est par le cœur et par le membre du corps, en faisant preuve d'humilité pour Allah tabaraka wa ta'ala, sans critiquer les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala, quelles qu'elles soient. Allah ta'ala a dit dans le sens des versets, dans sourate Az-Zumar, « Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne recevrez alors aucun secours. » Cela inclut également l'obéissance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui a été prouvé authentique venant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ses enseignements, ses approbations et ses mises en pratique. Il doit mettre en pratique tout cela sans critiquer, sans rajouter, ni diminuer, ni altérer. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens des versets dans sourate An-Nisa, non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront pas demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Donc la personne qui ne veut pas se soumettre à la sentence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne sera pas soumis par l'obéissance et il aura eu un manquement à une condition de validité parmi les conditions de validité de la ilaha illallah. Donc si une personne, elle connaît le sens de la ilaha illallah, elle a certes rempli la première condition. Si elle est persuadée de celle-ci, elle a rempli la deuxième condition. Si elle l'accepte, elle a rempli la troisième condition. Mais si elle ne se soumet pas par l'obéissance, ne se rabaisse pas, ne se soumet pas par le cœur,
et n'agit pas conformément à sa science, alors cette parole ne lui sera guère profitable. Parmi les manières de ne pas se soumettre, il y a aussi le fait de délaisser le jugement par la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala et la remplacer par les lois inventées des hommes. La cinquième condition de validité, c'est la véracité. Être véridique envers Allah, honnête. Et ceci, en étant véridique et honnête dans sa foi et dans sa croyance. Dès lors qu'il en sera ainsi, le croyant déclarera véridique tout ce qui provient du livre de son Seigneur subhanahu wa ta'ala et tout ce qui a été prouvé authentique de la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Cette véracité, c'est la base de toute parole. Et parmi les facettes de cette véracité, que la personne, elle doit être honnête et véridique dans sa prédication. Elle doit redoubler d'efforts dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala et dans l'observance des préceptes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala a dit dans le sens des versets dans sourate At-Tawbah, « Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. » Et cette condition, elle est relatée à travers des hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Celui qui dit la ilaha illallah en toute véracité dans ses propos, entrera au paradis. » Ce hadith, il est rapporté par l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Il n'y a pas une personne prononçant la ilaha illallah, attestant qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, en toute honnêteté et véracité dans son cœur, sans qu'Allah lui interdise le feu. » Ce hadith, il est unanimement reconnu, authentique. Et le contraire de l'honnêteté, c'est quoi? De la véracité, c'est le mensonge. C'est si la personne est mensongère dans sa foi, elle n'est pas considérée comme croyante. Mais c'est un hypocrite, la grande hypocrisie. C'est-à-dire qu'il fait apparaître l'islam, mais il cache la mécréance. Combien même cette personne, elle dit avec sa langue « La ilaha illallah » tant qu'elle n'est pas véridique dans son attestation de foi, alors il ne sera pas musulman, mais il sera plutôt parmi les hypocrites. Et les hypocrites, ils sont encore pires que les mécréants de base. Et ils sont dans le plus bas degré de l'enfer. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens des versets dans sourate Al-Baqarah, « Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils ne croient pas. » Là, il parle de qui? De ceux qui ont la grande hypocrisie. Non. La sixième condition, la sincérité, l'ikhlas. Que la personne, elle purifie ses actes d'adoration par la bonne intention des souillures, du shirk et autres. Que ce soit le grand polythéisme qui fait sortir de l'islam, et le petit polythéisme qui est un grand péché mais qui ne sort pas la personne de l'islam, comme par exemple l'ostentation, qui fait un acte pour Allah mais il aime bien que les gens le vantent pour cet acte là par exemple. Donc tout acte que fait le serviteur, il doit être sincèrement fait pour Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne doit chercher en cela que la face d'Allah tabaraka wa ta'ala et son agrément. Ces actes d'adoration, ils ne doivent comporter aucune marque d'ostentation et non pas pour obtenir aucun intérêt mondain ni la réalisation d'objectifs personnels. Cette sincérité, en réalité, c'est un combat de tous les jours, de chaque instant, car Shaytan est très actif pour nous annuler nos actes en jouant sur la sincérité du serviteur. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens des versets, « Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah lui vouant un culte exclusif. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par le Bukhari, « Le plus endroit à mon intercession le jour du jugement dernier est celui qui dira « La ilaha illallah » son cœur rempli de sincérité. » Parmi les conditions, c'est l'amour de cette parole. Aimer cette grande parole, ce à quoi elle implique. Et ceci est la septième condition. Et l'amour de cette parole, ainsi que l'amour de ce qu'elle implique, et ce qu'elle démontre, c'est nécessaire. Car le croyant, il aime Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il aime son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Et il fait prévaloir l'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et l'amour de la ilaha illallah sur toute chose. Il respecte les conditions de cet amour et ses implications. Il aime Allah sur un amour basé sur la glorification et la vénération d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sur la peur et l'espoir. Il aime les endroits qu'Allah aime. Mecca, Al-Madina, les mosquées de manière générale. Il aime les moments qu'Allah aime, comme le mois de Ramadan, comme les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah et autres.
Il aime ceux qu'Allah aime, c'est-à-dire les personnes qu'Allah aime, comme les prophètes, les envoyés, les anges, les véridiques, les martyrs et les gens pieux et vertueux. Il aime les actes et les actions qu'Allah aime, comme la salat, comme la zakat, le jeûne, le hajj. Et il aime les paroles qu'Allah aime, comme l'évocation d'Allah, comme la lecture du Coran, comme le fait de réconcilier entre les gens. Donc cet amour de la ilaha illallah, ça consiste aussi à faire prévaloir ce qu'Allah aime sur ce que désire sa propre personne et son âme, sur ses envies. Car l'enfer, lui, il est entouré par les passions, alors que le paradis, il est entouré par les contraintes. Si d'ailleurs le paradis n'était pas entouré par les contraintes, tout le monde voudrait emprunter son chemin. L'amour de la ilaha illallah, c'est aussi de détester et de réprouver ce qu'Allah déteste. Il n'est pas concevable qu'il puisse aimer Allah et aimer en même temps les ennemis d'Allah. Avoir de l'aversion pour eux, de l'inimitié, et de détester les choses qu'Allah déteste, les œuvres qu'Allah déteste, les croyances qu'Allah déteste, la perversité, la mécréance, la désobéissance. Allah le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, a dit dans le sens des versets, « Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il l'aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. » Il dit, subhanahu wa ta'ala, dans le sens des versets, dans surat al-Mujadala, « Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour alliés ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. » Ici, je veux faire une parenthèse nécessaire. Quand on parle ici de l'amour et de l'aversion, certains pourraient se dire, est-ce qu'il est interdit d'aimer une personne qui nous fait du bien, qui n'est pas sur l'islam? Par exemple, ses parents qui ne sont pas musulmans. Même d'avoir de la clémence et de la miséricorde envers les hommes en général et les créatures, même autres que les hommes. Non, ici on parle de l'inimitié et de l'aversion religieuse, non pas naturelle. Allah Ta'ala a permis dans le Coran, par exemple, aux hommes musulmans de se marier avec des femmes, des gens du livre. Comment il est marié avec une femme, il ne l'aime pas? S'il est marié avec elle, comment il n'a pas d'amour pour elle? Il n'a pas d'affection pour elle? Mais ce n'est pas une affection religieuse. Il se désavoue de la religion sur laquelle elle est. Il se désavoue de ses croyances, de ses actes et de ce qu'elle est par rapport à cela. Pareil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a demandé la permission de visiter la tombe de sa mère qui est morte, mécréante, en passant à côté de sa tombe, il a pleuré en se rappelant la relation qu'un enfant a avec sa mère. Ceci est un amour naturel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait son oncle Abu Talib. Il est mort sur la mécréance. Tu ne guides pas ce que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Il est plus savant, il connaît mieux les bien guidés, subhanahu wa ta'ala, dans le sens des versets. Donc là, on voit qu'Allah ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne guide pas qui il aime ou celui dont il aimerait la guider. Donc cela prouve qu'il aimait la guider pour son oncle et qu'il avait de l'affection pour son oncle, du fait que son oncle s'est bien occupé de lui, l'a protégé, l'a défendu, mais pas pour l'islam. Il l'a défendu, l'a protégé pour sa personne. Mais ceci ne va pas à l'encontre de cette base qu'on a dans la foi, qui est l'inimitié, d'avoir de l'aversion envers les ennemis d'Allah tabarak wa ta'ala. Et Allah Ta'ala ne nous a pas interdit d'être bons envers ceux qui ne nous combattent pas, qui ne nous font pas du mal. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait de la miséricorde même pour ses ennemis, même pour ses pires ennemis. Il espérait pour eux la guider. Donc il y a une différence entre l'inimitié, la haine, le désaveu religieux et le fait d'espérer la guider pour quelqu'un et d'espérer son bien et devoir de porter de la miséricorde pour lui et de la clémence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un voisin juif qui lui faisait du mal tous les jours. Quand il a su que son fils était malade, le fils de son voisin était malade, il a été visiter le fils de son voisin juif. Et il l'a appelé à l'islam. Il était mourant. Et il a regardé son père. Son père, il lui a dit « Obéis à Abu al-Qasim ». C'est-à-dire « Accepte son appel à l'islam ». Il est mort sur l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qui le réjouissait le plus.
Il est sorti, son visage était rayonnant comme la lune quand elle est à son plein quartier. Donc comprenez bien ce point-là, barakallahu fikoum. Mais par contre, c'est des fondements de notre dogme. On ne peut pas dire qu'on aime les mécréants et la mécréance. On ne peut pas dire cela. Mais on ne leur fait pas d'injustice, pas de nuisance. On espère la guider pour eux et on porte la miséricorde dans notre cœur envers les créatures d'Allah en général. Allah tabaraka wa ta'ala donc nous a imposé cela. Aimer pour Allah, détester pour Allah. S'allier pour Allah, prendre à partie pour Allah. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, trois caractéristiques, celui qui les possède goûtera grâce à elles à la douceur de la foi. La première, c'est qu'Allah et son messager lui soient plus aimés que n'importe qui d'autre. Le contraire de cet amour pour cette parole, c'est par exemple quelqu'un qui a de la répulsion pour cette parole, ce qu'elle montre, pour ce qu'elle implique, ou bien qu'il porte de l'amour pour autre qu'Allah autant qu'on en porte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien qu'il aime Allah, mais il aime avec Allah une chose ou une personne autant qu'il aime Allah ou plus qu'il aime Allah. Donc les preuves de cela sont très nombreuses dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabarak wa ta'ala concernant donc la répulsion, dans le sens des versets, c'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre, il a rendu donc vaines leurs actions et leurs œuvres. Donc le fait de détester ce qu'Allah a révélé, ou avoir la répulsion envers ce qu'Allah a révélé, c'est le contraire de cette condition qui est de fait d'aimer cette parole et ce qu'elle implique. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah, dans le sens des versets, parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Donc, le fait d'avoir de la répulsion envers ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé, c'est une caractéristique des mécréants et c'est de la mécréance. Par exemple, quelqu'un, il n'aime pas la salat, le jeûne, les bonnes actions. Il les déteste. Attention, quand on dit il n'aime pas, c'est-à-dire il n'aime pas cet acte. Quelqu'un ne peut pas aimer la difficulté qu'il y a à faire ces actes-là. Ça ne fait pas de lui un mécréant. C'est une faiblesse de foi. Par exemple, quelqu'un, il trouve qu'il y a une difficulté à faire les ablutions, il y a une difficulté à faire le hajj, c'est fatigant. Et il a de la répulsion envers cette difficulté. Mais il aime cet acte. Ça, c'est différent. Ça ne fait pas de lui un mécréant, barakallahu fikoum. Nous, on parle du fait d'avoir de la répulsion envers ce qu'Allah a révélé, envers ses ordres, envers la ilaha illallah, envers ce qu'elle implique, ce à quoi elle appelle. Non. Donc, vient s'opposer à l'amour, l'aversion vis-à-vis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'alliance avec les ennemis d'Allah, tabaraka ta'ala. Le fait d'avoir de l'inimitié, ou bien de détester les alliés d'Allah, les bien-aimés d'Allah. Et on voit des gens sur la science, sur la sunna, sur la pratique, ou bien qui sont des gens, alhamdulillah, pieux, et on les déteste. Normalement, un croyant sincère, il doit aimer la ilaha illallah, et il doit aimer les gens de la ilaha illallah. Parmi ceux qui s'opposent à sa perfection cette fois, c'est-à-dire qu'ils ne rendent pas nul, mais qui s'opposent à la perfection de la ilaha illallah, c'est-à-dire qu'ils sont des péchés et qui affaiblissent, qu'ils ne l'annulent pas, mais qui l'affaiblissent, c'est les désobéissances et les péchés. Donc la ilaha illallah, c'est la clé du paradis. Mais chaque clé, elle possède des dents. Et les dents de cette clé-là, c'est les conditions que nous venons de citer. La huitième condition que certains rajoutent, de mécroire dans le tarout, dans tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui agrée cette adoration-là. Ou bien comme a dit Ibn al-Qayyim, dans la définition du tarout, tout ce dont la limite a été dépassée dans l'adoration, dans l'obéissance ou dans le suivi. Non. Les infinitifs de l'islam, les savants les citent dans les livres, dans le chapitre du statut de l'apostat. Premièrement, il faut savoir que une personne qui est musulmane, elle peut annuler cet islam. Son islam, il n'est pas garanti à vie. Comme une personne qui a les ablutions, il y a des actes qui annulent les ablutions. De même, il y a des actes qui annulent l'islam. L'islam,
peut être annulé par une croyance, c'est-à-dire une mauvaise croyance, par une parole, une simple parole, sans aller demander qu'est-ce qu'il croit ou il ne croit pas. Une parole, par exemple quelqu'un qui insulte Allah, quelqu'un qui se moque de la religion, par exemple. Ou bien par un acte, un simple acte. On ne lui demande pas, mais pourquoi tu fais cet acte ? Par exemple, quelqu'un qui se prosterne pour une statue, ou qui rabaisse le Coran en le jetant par terre, ou en le couvrant d'impureté. Ou bien par le doute. Donc chez les gens de la sunna, quelqu'un, il peut sortir de l'islam par une de ces choses-là, à condition qu'il y ait une preuve authentique, sans aucun doute, que cet acte-là, ou que cette parole-là, ou que ce fait, ou que cette croyance est un annulatif de l'islam. On parle du jugement général, de cet acte. Après, pour juger une personne en particulier étant devenue mécréante, c'est-à-dire sortie de l'islam, il faut savoir qu'il y a des règles. La première des règles, c'est que celui dont l'islam a été affirmé avec certitude, on ne peut le sortir de l'islam qu'avec une autre certitude, pas avec le doute. Donc la base des musulmans, c'est qu'ils sont sur l'islam. On dit pas, la base c'est que la communauté elle est sur le kufr. Maintenant faut qu'il prouve son islam. Ça c'est la religion des tekfiri, de ceux qui exagèrent et qui ont rendu le monde entier mécréant, sans preuve. Donc la base c'est que les musulmans, ceux qui disent la ilaha illallah muhammadur rasulullah, sont musulmans jusqu'à preuve du contraire. Et cette preuve du contraire, ça doit être une certitude, pas un doute. Autre chose, même si cet acte qu'il fait ou cette parole est une mécréance prouvée, pour le juger lui en tant que mécréant précisément, il faut que certaines conditions soient réunies et certains empêchements soient levés. Comme par exemple la contrainte qui empêche que l'on juge une personne mécréante même s'il a dit une parole de mécréance. Ceci est cité dans le Coran, comme l'histoire de Ammar ibn Yasir, qu'ils ont forcé à dire une parole de mécréance. Il faut savoir que les annulatifs de l'islam, ils sont beaucoup. Mais Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et certains savants, le suivant, ont résumé, on va dire, les principaux, les plus répandus en 10. À savoir que le deuxième que je vais citer rentre dans le premier, mais il a été séparé vu son importance. Le premier annulatif de l'islam, c'est le polythéisme dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala dit, dans le sens de ses paroles, « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. » Dans Surat An-Nisa. Allah Ta'ala dit aussi dans Surat Al-Ma'ida, dans le sens des versets, « Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu et pour les injustes pas de secoureurs. » Donc, ce polythéisme, c'est le fait d'invoquer les morts, implorer leur aide, prononcer des vœux pour eux, de sacrifier pour eux. Tout ceci font partie des annulatifs de l'islam. Le deuxième, comme on a dit, en vérité, il rentre dans le premier, mais il a été cité seul, vu sa gravité, et pour insister sur son importance, parce qu'il est très répandu. C'est celui qui place entre lui et Allah des intermédiaires. Il les invoque, il leur demande l'intercession, il place leur confiance en eux. Et ceux-là sont mécréants selon l'unanimité des savants. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, « Invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux, ni sur la terre. Ils n'ont jamais été associés à leur création et il n'y a personne parmi eux pour le soutenir. L'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il l'a permis, subhanahu wa ta'ala, dans le sens des versets. » Le troisième annulatif de l'islam, c'est celui qui ne juge pas mécréant les associateurs, ou bien il doute de leur mécréance, ou bien celui qui considère que leur religion elle est valide, alors lui-même il est mécréant comme eux. Le musulman, il doit avoir la certitude que la seule religion agréée auprès d'Allah est l'islam, et que toute autre voie, toute autre philosophie, toute autre religion est rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala et c'est de la mécréance. Donc la personne, elle ne doit avoir aucun doute sur cela, car toutes les preuves du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont venues appuyer cela, en plus de cela, l'unanimité de tous les savants. Le quatrième annulatif de l'islam, c'est celui qui croit que la guidée d'un autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est plus complète que la sienne, ou bien que le jugement d'un autre que lui est meilleur que le sien, comme ceux qui préfèrent les lois des Tawarid sur les siennes. Alors celui-là, il est mécréant bil ijma. Donc la personne, elle doit avoir la certitude
que ce qu'Allah a révélé pour l'humanité, c'est ce qu'il y a de meilleur et c'est la seule voie qui est agréée par Allah. Et toute autre voie est rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant, il doit aussi les rejeter. Et il doit savoir qu'il n'est pas permis pour l'humanité de faire autre chose que ce qu'Allah a décidé pour eux. Donc le fait de dire « oui mais c'est permis de faire cela », c'est traiter Allah de menteur, démentir le message. Donc ça fait de cette personne-là un mécréant, qu'Allah nous guide et nous préserve de cela. Le cinquième annulatif de l'islam, c'est d'avoir de l'aversion pour une chose par laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci même s'il la met en pratique. Donc quelqu'un est pris mais il déteste la prière. On l'a détaillé tout à l'heure quand on a parlé de l'amour de la ilaha illallah. On a parlé de la différence entre détester ce qu'Allah a révélé ou bien détester la difficulté qu'il pourrait avoir dedans. Le sixième, c'est le fait de se moquer de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de ses récompenses, de ses châtiments, de ce qu'il a révélé, ou bien d'insulter Allah, qui est pire. Le septième, c'est la sorcellerie. Le huitième, c'est le fait d'amener soutien aux associateurs contre les musulmans pour faire prévaloir l'associationnisme et la mécréance sur l'islam. Non pas quand c'est pour des intérêts personnels. Comme par exemple, il y a eu l'histoire de Hatib ibn Abi Balta'a, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les gens de Badr, qui a informé les Quraysh que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait les attaquer, car il s'est dit qu'en faisant cela, les Quraysh allaient protéger sa famille et les gens proches qui étaient autour de lui. Et Allah Ta'ala a révélé cela à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a amené, il lui a dit « Pourquoi as-tu fait cela ?» Il a dit « Wallah, j'ai pas fait ça par haine de l'islam, ni par mépris pour l'islam. » Il a expliqué son objectif. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas jugé mécréant. Et il a dit « Allah Ta'ala a pardonné aux gens de Badr. » Donc il lui a pardonné ce péché du fait que c'était quelqu'un de Badr. Et lui-même a reconnu son erreur, radiyallahu anhu. Donc si c'était un acte de mécréance, Badr ou aucune action ne lui aurait servi à rien. Ce qui prouve que ce qu'il a fait était interdit, mais ce n'est pas de la mécréance majeure. Donc quelqu'un pour un intérêt mondain, non pas pour faire triompher la mécréance sur l'islam, trahisse les musulmans sur certains points ou qu'il les aide dans certains points, si c'est seulement pour préserver par exemple des intérêts mondains, ça ne fait pas de lui un mécréant, comme l'histoire de Hatib ibn Abi Balta'a. Le neuvième annulatif, c'est le fait de croire que certaines personnes peuvent se dispenser de la législation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que quelqu'un dit, oui, il y a certaines personnes, ils ont le droit de suivre une autre voie que l'islam. Non. L'islam, il est venu pour l'humanité entière. On n'a pas le droit de croire cela et d'accepter cela. Le dixième annulatif, c'est le fait de se détourner et d'avoir de l'indifférence face à la religion d'Allah, tabaraka ta'ala. Il n'en apprend pas les fondements, ni les ramifications, et il ne les met pas en pratique. La preuve de ceci, c'est la parole d'Allah, tabaraka ta'ala, dans le sens de ses paroles. Qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détourne? Nous nous vengerons certes des criminels. Donc on n'a pas pu détailler ces annulatifs-là, on a fait un tour rapide. Comme vous voyez, les annulatifs sont le contraire des conditions. Car effectivement, celui qui fait le contraire d'une condition, il a annulé cette parole de la ilaha illallah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallillahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qur rabbi zidni ilma.